Les gars, ça fait combien de temps que vous jouez à Fortnite? Est-ce que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Est-ce que vous avez commencé à jouer à Fortnite à l'époque où le Battle Royale de Fortnite est sorti? C'était en 2016 ou en 2017, je sais plus. Mais est-ce que vous êtes un joueur qui est arrivé récemment sur le jeu? Il y a déjà Kradok et Unchain qui ont fait cette vidéo-là où ils essaient de regarder leurs anciennes cartes sur Fortnite. Alors moi, honnêtement, je suis pas un très grand builder sur Fortnite, mon niveau est très très nul. Mais à l'époque, il y a quelque chose qui était extrêmement connu, c'était les toboggans automatiques sur Fortnite. Le principe, qu'est-ce que c'est? T'es là, tu lances la carte, tu commences à aller sur une plateforme et ton personnage va faire un parcours tout seul avec les boosters, les petits pulses là, tu vois. Et juste, tu touches à rien. Et le but, c'était que ça avance tout seul. Et à l'époque, je créais beaucoup de cartes comme ça. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais essayer de retrouver une de ces cartes si c'est possible. Ok les amis, donc là, on est sur le créatif. Et désormais, le but, ça va être d'aller dans mes maps créées. Vous pouvez voir que dans mes îles, eh ben en fait, il n'y a pas grand-chose. Mais d'abord, il faut que j'aille dans les îles supprimées. Et j'espère qu'on peut les récupérer, mec. Îles supprimées, hop. Oh mec, supprimer parcours automatique Brisbane Brice. Suppression le 7 septembre 2019 à 11h14. Est-ce que je peux la récupérer? Il y a un bouton récupérer, what the fuck? Je clique. Oh, ça marche? Non, il est là mec, je peux y jouer, what? Les gars, je crois que vous en rendez pas compte, c'est un truc de zinzin pour moi si je peux y jouer. Attendez, et finir le portail. Hop, oh non, ça marche. Parcours automatique Brisbane Brice. En plus, il y a le code juste là, vous pourrez l'essayer de votre côté. Attention, je rentre. Ok. Oh, mec, oh les gars. Oh les gars, le truc de zinzin, mec. Non, je m'en rappelle, frère, c'est fou. Attends, attends, attends. Attendez, la nostalgie, je reviens en moi, là. Ouah. Vous voyez tout ça, là? Tout ça, toutes ces plateformes. Le but, c'est que normalement, quand je vais me lancer ici, j'aurai juste à faire ça. Et normalement, ça va avancer tout seul. En tout cas, je l'espère. Ok, juste avant de commencer, les gars, je compte sur vous. Ça, c'est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. Si jamais tu vas apparaître dans la vidéo de demain, abonne-toi et tu verras, tu apparaîtras. On est bientôt aux 500 000, en plus, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas de mettre le petit code créateur Brice dans la boutique. Ça ferait extrêmement plaisir. Les gars, je vous jure, on parle d'une époque. Où c'était à l'époque, je m'en rappelle, je jouais avec Shadowbass et il faisait beaucoup de live où testait ça. À l'époque, c'était Kenny qui en créait énormément des cartes. Et là, j'en voulais en créer une juste pour qu'il la teste. Et je sais même pas si elle fonctionne, mais je m'en rappelle de celle-là. Attention, les amis, vous allez découvrir si ce toboggan fonctionne. 3, 2, 1, let's go. J'espère que ça marche. Ok, ok, ouais, ok, ok, ça marche pour l'instant. Il y avait des pièges et tout. Oh, il s'active pas les pièges par contre. Ah, mais fallait peut-être que je lance le jeu. Je suis bête, j'ai pas. Le but c'était qu'en fait on voyait des choses impressionnantes, que des pièges se déclenchent derrière nous. Donc normalement ça devrait fonctionner. Pourquoi j'ai mis ça par contre? What? Pourquoi j'ai mis ça? Je vais juste taper un trip, frère. Ok, let's go, on essaye, c'est parti, go! Ouais, premier saut, ça fonctionne. Les pièges, est-ce qu'on va pas se les prendre? Ok, ils s'activent tous, regardez. Regardez comment ils s'activent tous, c'est incroyable. Ok, on tombe dans le trou ici, il y a encore plein de pièges qui s'activent, ouais. Ensuite on passe juste là, d'accord. Les petits toboggans, les petits boosters qui montent, ok. Ça nous fait glisser tout le long. Là, j'ai plus de glace par contre, hein, donc si jamais il y a un truc, c'est mort. Ok, pour l'instant, ça fonctionne. Oh, j'ai cru que ça allait pas marcher. Oh, les bouncers. Les bouncers, oh, ça marche parfaitement. Oh, la glace. Mais je suis un monstre. J'étais monstrueux. J'étais monstrueux, les gars. Ok, on arrive là, ici. D'accord. Ok, encore un petit peu de glace. Hop, hop, hop. Oh, ça bug un petit peu là. Ok. On a plus de glace par contre, ça glisse plus. Mais ça fonctionne parfaitement. Ça fonctionne parfaitement, je vais péter un plomb, frère. Ok. Encore de la glace. On va avoir une petite descente. Oh, oh. D'accord, ça fonctionne toujours. Ouais. Ouais, non mais mec, c'est fou. Mais mec, c'est fou. C'est fou. Attends, attends, me dis pas qu'il va y avoir une chute, là. Non. Ça marche parfaitement, les gars, let's go. Mais j'ai créé un truc de dingue, frérot. Oh, oh. Oh, je crois que c'est là, il y avait un petit bug. Oh, je m'en rappelle à l'époque, là, je m'en... Oh, mec, oh, la nostalgie qui est revenue d'un coup, frère. Mais normalement, quand tu arrives là, on va le faire comme ça. Rebondir encore ici, ok. Normalement, t'arrives juste là. Et là, normalement, attends, on va se laisser faire pour voir si ça marche. Ok. Et là, après, t'as ça. Ok, il faut laisser. Là, hop, ça monte tout seul. Ok, ça monte tout seul. Et on arrive sur un petit booster qui nous propulse encore là. Et tac tac là, il y a plein de pièges et tout. Normalement ça nous les fait esquiver, il n'y a pas de souci. Et après on arrive encore sur une autre plateforme qui nous fait tac 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 tac. Bon c'est très long, on va faire un petit accéléré. Et là ça remonte encore. Mama mes frérots. En fait à part une erreur les gars, je crois que ça fonctionne parfaitement hein. Ok, ouais, c'est très lent quand même. On a encore la glace au pied et j'ai pensé à tout. Ça remet la glace. Et là. Mais attends mais. Mais ça dure combien de temps, frère? Mais je suis sur un toit. Ça. Oh, j'ai cru que ça allait pas passer, frère. C'est encore passé, gros. What the fuck? Ça nous propulse encore. Let's go. Ah, là, bon, il y a un petit fail. Là, il y a un petit fail. Là, il y a un petit fail, mais on va continuer à monter parce que là, c'est infernal, en fait. Et arrivé en haut, ça redescend encore. Ziou.
Et ensuite on a un méga saut, ça nous fait arriver ici. Un petit saut, ouais, bon là il y a petit fail je crois. On tombe là. Ensuite on arrive ici. Ok, ah petit fail là non. Ouais je sais pas. Ah mais mec, mais et encore c'est pas fini les gars, je vous jure. Là je crois que ça nous fait sauter par dessus le mur. Normalement si j'avais tout calculé je m'en rappelle parfaitement. Voilà, ça nous fait sauter là, comme ça. Et les gars, et après on arrive ici à la fin. Et je crois que ouais, voilà, la fin c'était ici. Bon, effectivement, on n'est pas sur un truc de dingue la fin, ok. C'était juste une barrière qui nous bloquait. Mais c'est pour vous dire que... Oh, putain, j'avais carrément oublié d'enlever les préfabriqués juste là. C'est pour dire que ça, à l'époque, les gars, je vous jure, c'était un vrai délire. Je vous mets le code à l'écran, les gars. Il y aura une V2, bien évidemment. Et n'hésitez pas à l'essayer. Je suis... subjugué mec, c'est un truc de dingue. Ok, là je crois qu'il y a un truc, vous vous rendez pas compte, c'est un truc de fou. Parcours Paradise. Pour vous expliquer, Parcours Paradise, qu'est-ce que c'est? C'est une map que j'ai créée qui a fini sur plein de sites internet. Regarde ça frérot, Parcours Paradise, il y a 3 ans par Brice Bébrice, 20 129 vues. Je sais que cette carte là, j'avais fait une version spéciale pour des potes qui étaient pas très très forts. Je l'avais aménagé pour que ça soit un peu plus simple, donc c'est parfait pour la vidéo. Les gars, j'ai créé un vrai bail, regardez-moi ça. C'est moi qui ai créé tout ça les gars, yes. Et on arrive au niveau 1 mec. Dites-vous que ça à l'époque les gars, c'était des maps de fous furieux. Ok, donc là il faut sauter sur le petit truc là. Hop, on prend la petite pièce et je crois que déjà ce qu'il fallait faire c'était prendre la répulse. Et là je crois qu'il fallait juste faire un truc genre comme ça. Et là j'ai pas réussi donc ça tombe très bien. Bon, heureusement que j'ai pensé à tout et que on pouvait pas du tout tricher sur ma carte. Hop là, oh bizarre, tiens je peux tricher. Oh, hop accroupi. Et là ça passait. Et là on arrivait directement au niveau 2 je crois, si je dis pas de bêtises. Ok, nice. Et là, ah ouais, là, il y a un problème par contre. Là, il y a un petit problème, les gars. Le petit problème, c'est qu'en fait, normalement, là-bas, il y avait un caddie. Je crois que c'était un caddie. Et en fait, avec le caddie, tu pouvais arriver là, le poser, sauter sur le caddie et aller sur cette plateforme-là. Ok, donc, le niveau 2, ça ressemblait à ça. Donc, je crois, attendez, on va se mettre là comme ça. Ah, ok. Donc là, on arrivait là. Il fallait faire un petit parcours. Et après, ici, d'arriver au niveau 3. Et niveau 3, je crois qu'il était plutôt simple. Fallait aller ici. Bon, bref. Je vais vous passer vaguement tous les niveaux que j'ai fait. Et bref, j'ai créé un nombre de niveaux, les gars, qui est juste insane. Là, je me rappelle, c'était avec les overboards à l'époque. Quand les overboards sont arrivés, tu pouvais monter dessus. Ah, bah tiens, je vais pouvoir essayer. Parfait. Et là, il fallait essayer de, bah, voilà, ne pas tomber. Et voilà, je suis tombé, par exemple. Donc ça tombe mal. Oh, mais c'était compliqué, je m'en rappelais. Ça allait vite et tout. Ok, waouh, waouh, c'était trop dur, c'était trop dur frère, c'était trop dur à l'époque. Là c'est le fameux niveau qu'on a vu sur le site internet avec la ferme. Et t'avais le niveau final, je crois que c'était celui-là, ouais voilà. Et la fin elle est genre arrivée tout en haut. Fallait faire avec des répulses, des sauts énormes jusqu'à arriver au tout dernier en haut. Et une fois que t'arrivais sur ce truc là, t'avais le GG qui est juste ici. Il est pas du tout aligné au truc mais what the fuck frère, je faisais que de la merde. Et ça, tout ça c'est moi qui l'ai créé. Et je suis émotif de le revoir, bien évidemment. Bref, les amis, que de nostalgie. Ça fait extrêmement plaisir de voir tout ça. Et j'ai failli pleurer, purée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à essayer les deux petites cartes. Je vous les mets dans la description. N'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Brice. Ciao, les potes. Ah oui, et d'ailleurs, je suis au TGS de Toulouse au week-end. S'il y en a qui veulent venir nous voir, n'hésitez pas.